Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon voilà, nouveau vide-grenier, c'est en train de déballer, alors j'espère que le soleil sera là et puis que j'aurai de la chance. Allez, à toutes! Par contre, vous pouvez me la garder? Ouais. Ou la taille, et puis vous me la gardez. Oh, pas spécialement. Vous les vendez combien, les ventes manga? Bon, moi, je préfère les ventes par série, mais après, si c'est par tome, ben, c'est par tome. Je les fais à 400 pièces. Après, par série, il y a moyen de négocier. Moi là par contre, je suis désolé, j'ai manqué le numéro 1. Ah ouais? La putain de l'infini. Vous connaissez? Non, pas du tout. Ah, c'est un très bon manga, moi j'aime beaucoup. C'est un peu comme le film Renard, avec Brad Pitt dedans. D'accord. Ça part d'un samouraï qui est immortel, qui doit aider une jeune fille à racheter son honneur. Désolé. Après, je vais pas trop spoiler parce que. Allez-y. World of Warcraft. Ah! D'accord. Mais après, je suis plutôt fan de. J'aurais dû peut-être continuer, mais. Je suis plutôt fan de Log Horizon. Ah, oui, oui. J'ai pas, je connais, mais j'ai pas regardé. C'est des personnes qui sont. Bah, de toute façon, vous pouvez voir en streaming. Oui, et ça où j'avais vu les premières saisons. Après, ça, ouais, j'ai bien aimé. Après, oui, j'ai bien aimé. Après, j'ai un bon, peu arrêté. C'est parti sur des trucs. Ouais. Voilà! Allez, assez content. Une magnifique petite figurine. Assez sexy, je dois l'avouer, mais bon. Ah, elle m'a tapé dans l'œil, celle-ci. Voilà. Très content. Ils sont propres en tout cas. Ouais, ils sont vachement beaux, franchement c'est. Ah oui, avec un truc au milieu, il y a des boîtes mises de côté. Je pose là. Ben. Ils ont pris quoi. Ouais, c'est. Après ça dépend lesquels, mais oui, ce sont pris.
Bon voilà, c'est fini. J'ai trouvé quand même deux, trois petites belles choses. Alors, allez, on se retrouve pour le compte-rendu. Allez, à toutes. Rebonjour. Alors, j'espère que ce petit live vous a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance avec le temps parce que c'était vraiment limite. Bon, allez, c'est parti pour le compte-rendu. Alors, je pense vers le stand où il y avait que des, presque des mangas, je me suis acheté 5 bandes dessinées, tous. Alors, c'est, je vais vous montrer juste le premier. Alors, je ne sais pas du tout comment ça. Voilà. Alors, c'est une BD humoristique sur l'univers de World of Warcraft. Voilà, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors, j'ai lu le premier. C'est assez drôle, franchement. Ouais, c'est pas trop mal. Les dessins sont pas trop mal aussi. Voilà. Ça, c'est le tome 2. 3. 4. 5 et 6. Voilà. En tout, il y en a 11. La série est en cours. D'après ce que j'ai vu. Alors, je vous montre un peu les dessins. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je pense que oui. Voilà. Alors, c'était 5 francs. 5 francs la BD. J'ai pris les 5 qu'il y avait, il me manque le premier, bon c'est pas très grave. 5 francs, ça fait 25, j'ai négocié à 20. Voilà. Après, super. Alors franchement là je suis super content parce qu'il y avait enfin des big box PC. Enfin. Parce que c'est pas vraiment. C'est pas franchement tous les jours que j'en trouve. Le premier c'est Bugs Bunny Voyage à travers le temps. Voilà. Alors, il est bien complet. Alors, quand même, vous le montrer comme ça. Voilà. Il y a le CD, il y a la cale. Alors, c'est bon, la notice. C'est ces notices qui sont. Voilà, qui sont voilà, comme ça. Super content. Alors, ce Bugs Bunny, c'est un. Voilà, tout le monde connaît Bugs Bunny. Mais le jeu, c'est un jeu d'aventure, plateforme aventure. Voilà. Après, j'ai pris Donald Quack Attack. Tout le monde connaît Donald, de toute façon. Celui-là qui gueule tout le temps, jamais content. Aussi, alors, aussi le complet. La notice, elle est là. Voilà, il y a la cale. C'est aussi un sorte de aventure plateforme aventure. Et le dernier, super content là, franchement. Atlantis 2. Oui, alors j'ai le premier aussi sur en big box. Voilà, ça c'est le deuxième. Il me manque le troisième. Il est aussi complet. La notice. Voilà.
une sorte de publicité pour acheter les l'OST, le guide officiel pour essayer de l'acheter. Et il y a 4 CD. Voilà les CD. Et voilà la cale. Alors le deuxième, Atlantis, il n'est jamais sorti sur console. Il est sorti que sur PC. Le premier était sorti sur PlayStation 1. Et le troisième est sorti sur PlayStation 2. Ouais, je me rappelle bien. Alors, c'était 5 francs le jeu. Il y en a 3 à 15 francs. Voilà, j'ai pas trop négocié. Voilà. J'aurais dû. Bon, pas grave. Et après, sur un autre stand, un jeu de démo sur PlayStation 2. Super content, ça aussi. Voilà. J'ai trouvé le Batman Edition Game of the Yard Edition. Voilà. Il est complet. Alors, je l'avais pas cette édition. Voilà. Bon, voilà, c'est un excellent jeu. Tu incarnes Batman, le chevalier de la nuit. En fait, tu ramènes le Joker en prison. Et puis, le Joker avait tout prévu pour essayer d'enfermer Batman ou de le tuer. Je ne me rappelle plus trop, mais voilà. On ne sait jamais avec le Joker. Voilà. Mais c'est franchement un très très bon jeu. Action-aventure. Voilà. Spoil everything, didn't you? It's over, Joker. Do you really think you can win? Little bat. Et le dernier, Marvel vs Capcom 3. Voilà. En fait, celui-là, je pensais, alors, il est complet. Je pensais l'avoir. Non, je savais que je l'avais, mais je pensais pas l'édition que j'avais, il était en full français. C'est pour ça que je l'avais pris. Mais en fait, en contrôlant, j'avais vraiment l'édition en full français. Voilà. Bon, ça sera pour l'échange. Voilà. En échange. C'est un jeu de combat entre deux univers, l'univers de Marvel, Iron Man, Hulk, Deadpool, Spider-Man, et puis l'univers de Capcom, Street Fighter, Resident Evil, Chris Redfield, Dante de Devil May Cry, et puis plein d'autres, voilà. C'est un excellent jeu de combat, j'avais beaucoup joué à l'époque, franchement il est bien. Il est vachement bien. Voilà. Ça, pour les deux jeux plus la démo, j'en ai eu pour 10 francs. 10 euros. Voilà. Et pour finir, le meilleur. J'étais content. C'est la première fois que je rentre ça.
une PlayStation 2 en boîte. Voilà. Excellent. Alors, le carton, ça va encore. Il y a des bugs, mais ça va. Dans l'ensemble, je suis assez content. Franchement, très content de l'avoir trouvé. Malheureusement, il n'y a pas le Chargex. Voilà. Alors, j'ai une manette. Voilà. Une carte mémoire. Voilà. Et les câbles, bien sûr. Alors, et on va essayer de la prendre. Voilà. Et la console. Voilà. Super content. Alors ça, il était à 55 francs. Je l'ai baissé à 50 francs. Et puis voilà. Bon, voilà. Ça me fait un total de ce vide-grenier à... Bon, je mettrai le total ici. Voilà. Bon, c'est fini, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, comme d'hab, mettez plein de pouces bleus, s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez. Le plus important, prenez soin de vous. Allez, à une prochaine vidéo. Bye !